pouvez-vous fucking croire? Genre, ça rentre! Encore plus nice, maintenant il y a un surf dans le bus! Fait que Bird est encore plus badass! Oh yeah! Le Longbird! Ouais, puis le Longbird aussi, j'en ai full les couilles! I love, I love, I love, I love, I love you like la 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 la. I love you like la la. Première vraie soirée à Miami! On s'est déjà fait des amis, ça va faire une mini cérémonie de cacao. Ouais, on espère là! Honnêtement, ça a été tellement compliqué de se rendre ici. Au début, on a marché, là, on s'est rendu compte que ça allait fucking long, on voulait prendre un vélo, on pouvait pas prendre un vélo. Fait que là, finalement, on était à deux sur le Longboard. Mais ça a marché! Et maintenant, on va voir Where the Night Takes Us! Like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Hello! Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the let out the let out the. Hier soir, on a passé trop une belle soirée. On s'est ramassé dans une soirée tam-tam sur la plage. C'était malade, honnêtement. On a trippé, on a dansé comme genre dans une tribu pendant comme des heures et des heures. Fait que c'était un méga vibe. Puis là, ce matin, on a décidé de faire un petit workout. On a ce petit parc-là qui est juste en face. Puis checker cet arbre, comment il est fucking beau. Cet arbre nous attirait. Puis il y a genre plein de fleurs qui pendent, genre. C'est comme vraiment un arbre spécial. Là, je me suis donné le défi, vu que ces deux-là... T'es-tu végane, toi aussi? Oui. Ouais. Fait que vu que ces deux-là sont végans, je me suis dit c'était un bon timing pour essayer de devenir végane moi aussi. Fait que je vais essayer au moins pendant le trip live, puis on va voir si je continue après. Oh yeah. J'ai pris un dessert cochon. Qu'est-ce que t'as pris en coup? Une limonade, mais... Quoi? T'es déçue? Moi, je le trouve moins beau. La mienne a l'air méga tasty. Donne. Est-ce que tu le prends? Il est vraiment cute, hein? Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Là! C'est quoi, c'est des veggie burgers? Yeah! C'est la vegan aussi, veggie burger! Ouais! À date, 24 heures dans mon vegan challenge, ça se passe bien! J'ai pas eu de tentation encore! Oh my god, c'est tellement bon! Taste test de veggie burger! Je pensais que Claudine a exagéré quand elle a dit qu'elle a eu un orgasme en prenant la première bouchée, mais j'ai vraiment eu un orgasme! Oh my god! C'est vraiment, vraiment bon! Oh my god, c'est excellent! C'est tellement bon! Man, on est out here, living our best lives, looking so fucking hot right now, looking like queens. On vient de passer genre une solide heure à se fixer dans le bar. Puis là, on a entendu une place à côté qui avait de la nice musique. Fait qu'on s'en va là-bas. Est-ce qu'on a l'air des filles qui ont pris leur douche dehors? Ouais, man, yo, on a pris le douche sur une douche de plage là-bas. Barb is poppin'. Tu sais, c'est le W South Beach, c'est un des hôtels les plus chers de Miami. Puis on est là pour faire du camping à côté. Ça coûte 1500 pièces la nuit dormir au W, puis on est là, on est comme on paye 15$ pour dormir dans votre parking. So yeah, mon vibe c'est genre quelle sexy schoolgirl and I'm feeling it, I'm feeling myself. Ça fait fucking longtemps que je ne pas chicksé de même. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu sais pas chicksé, tu oublies un peu à quoi tu ressembles quand t'es chicks, pis t'es comme ok, I've got this. Can I please, everybody? La situation actuelle, on essaie de rentrer dans un club, il accepte pas les fucking sandales de merde. Nouvelle de dernière heure, les sandales à poil sont bannies des clubs de Miami. Elles sont considérées comme un danger pour la population de danseurs nocturnes. S'il vous plaît, veuillez maintenir vos sandales à petits poils à la maison. Rentre pas? Ça, c'est du stress big. Ouais. Et c'est ça. Moment de vérité. Yo, c'est petit en tabarnak. Les chaussures d'eau pour enfants disponibles dans le seul magasin ouvert à 3 h du matin, soit CVS, ne représentent pas une alternative viable. Veuillez porter des chaussures adéquates afin de faire de la danse nocturne. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're still at the gas station. Moment d'appréciation. Je pense qu'on est arrivé. C'est genre la pointe, le bout, le plus au sud de ce road trip. Oh, fin de tailleuse. Je peux pas croire qu'on est arrivé. Puis là, en plus de ça, oh hi! En plus de ça, on a legit le meilleur camping spot parce qu'on est direct on the beach. Trop de bon le sunrise ici le matin. Bon, obviously c'était trop beau pour être vrai. On a bougé. Alors que le sunrise se lève, tabarnak. Ils sont venus comme il y en a 5. On l'a essayé. C'est chiant. On voulait être ici pour le sunrise. Genre la gueule est aucunement compréhensive. Puis elle juste comme elle nous envoie les legit chier. Aujourd'hui, on s'est payé la traite, on s'est payé un burger à Key West, puis on va faire plein d'activités marines. Mais là, first things first, on doit passer un examen de permis de bateau. Mon théorie, j'en ai un à Montréal, mais je l'ai pas amené. So, on doit faire ça. On va voir si on réussit à l'avoir. Puis si on l'a, on va pouvoir faire des jet skis. Avez-vous entendu la journée de bateau d'aujourd'hui? Oh, oui. Oui. Non. Yes, Queens! Are you ready to ride that blue thing? C'est fait apparemment de gonfler puis en soufflant sur cette affaire-là. Dégueulasse. Ça goûte quelque chose? Ça goûte ma dignité qui est partie. T'es là, faut que tu cours au travers là. Là, après la méga journée de water sports qu'on a eu aujourd'hui, by the way, j'ai rarement vu une excursion autant optimisée. On a fait du snorkeling, du skidoo, du truc que t'es banana là, qui est accroché derrière un jet ski, du parasailing, un genre de jeu méga wipeout. Anyways, on a fait tout ça en dans de genre 6 heures. Fait que c'était vraiment très très worth it. Fait qu'on est très contente. Puis là, ben, on finalise cette journée de water sport avec un dernier water sport et qui est du paddleboard. Parce que là, j'ai amené mon paddleboard dans le bus. Il rentrait parfaitement juste là. Je l'ai même pas encore utilisé. Fait que c'est le temps d'enfin de sortir. Fucking workout. Je suis sweaty as fuck, c'est un workout. Mais le paddle est complet. Ça a pris littéralement 5 minutes. On a plein de goodies dans le sac. Ils sont full de chocolat. Ouais, je les ai même pas vus. Nice, oh my god, je pourrais le mettre dans Barb. Trop cool! Fait que allons-y avec ça. Ah, je suis excitée! Oui! On est encore venu à une nouvelle place. Classique. Ouais, hein, le Chris à Key West, c'est compliqué, mais au moins, le ranger est fucking nice. Puis il nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'amener le paddle ici. Pas le droit d'être ici. Mais il nous a proposé de nous embarquer dans son petit parc. C'est quand même un vibe. Ouais, c'est encore mieux. 3 girls and 1 paddleboard. Home, we've been like this for